siège du buggy, ça c'est fait. Hop, on a fait le siège. Ensuite, on a besoin de vie du type plate. Il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, du heavy duty plate, on devrait en avoir. Et les roues. Alors, les roues. 1, 2. Ah, je peux pas les stacker, d'accord. 2, 3 et 4. Ok, ça c'est bon. Et du heavy duty plate. Et fait chier. Non, c'est dommage. Il m'en manque 3. Bon, ça va être très rapide. Et c'est parti. Donc, on va pouvoir faire le buggy. Pour le buggy. Il faut pas le placer sur une plateforme buggy. Il faut le placer sur une plateforme buggy. Putain, Drenfa, c'est royal. Les bons petits conseils. Merci Drenfa et merci pour la Sainte-Mande, c'est gentil. Alors attends. Merci. Donc il nous faut la buggy fueling pads. Voilà, qui demande des blocs de fer, le truc super cher, mais bon, heureusement on en a plein. Donc c'est bon. Pendant que les heavy duty plates sont en train de se faire, nous allons faire donc. Ah, du coup il faut une plateforme pour le buggy. Ok, c'est bon, bah elle est faite. J'ai fini Ada. T'as fini. Ah, il a terminé. Alors allons voir un petit peu la création de cailloux, voilà, pendant que c'est en train de produire. Il a fait donc l'équipe de tous les modérateurs du Discord. Oh, sympa. Très sympa. Eh bah GG. On a tous les modérateurs qui sont là, sauf Liné, je crois. Il manque Liné. Ah, il y a Liné qui est pas là, ouais. Ouais. Nice. J'attendais un vain espoir qu'elle puisse rejoindre. Ça en fait beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'on est beaucoup de modérateurs. Une grosse équipe, hein. Team Azendark est nombreuse. On a largement ce qu'il faut. Hop, parfait. Bah, les trois coffres servaient quand même, donc c'est très bien. Voilà, maintenant on peut faire le buggy entièrement. J'aime bien avoir un maximum de stockage, hein, tant qu'à faire. Ça évite. Paf. Voilà. Oh, j'ai fait le buggy. Bon, on va voir dehors. Alors, il va probablement falloir de l'essence. Ah, il va falloir un fuel loader. Ah, c'est chiant. Ah, s'il faut un fuel loader, c'est chiant. Ouais, alors je vais aller le tester là-bas. On attend que Tommy revienne. Hein. Il a eu un petit plantage. C'est pour ça qu'on ira sur Mars juste après ensemble. Ça tombe bien, ça me permet de tester un peu le buggy déjà ici. Quand il sera reco. Parce que j'ai un fuel loader ici, mais est-ce que j'ai des fuel loaders en rab? Parce que je suis sûr qu'il va falloir ça, c'est obligé. Ah, j'en ai un là. Ok. Ça peut se faire. Pour un mechanical pipe. C'est lui qui avait toutes les batteries. Bon, c'est pas grave. Je peux en recrafter. Ah mince. Non, mais c'est facile à crafter, donc c'est pas très grave. Je vais le tester sur le parking. Hop, alors, voyons voir. On peut le mettre dans le garage. Alright. Non, on va le mettre dehors parce que ce sera plus simple quand même. Allez. À quoi va ressembler? Putain. Ça fait très plat. On dirait vraiment le mec qui a mis 4 roues, une planche et il a fait hep, c'est un buggy. Ok. Et donc c'est pareil, c'est l'inventory fuel. Ok. Ça fonctionne de la même manière. Effectivement. Hop, ok. Alors, ah, c'est lui qui avait le configurateur aussi. Ah mince. Oh, c'est pareil, ça se craft. C'est chiant. Rien n'est impossible pour Dark. Bon, ouais, c'est pas grave, mais bon, c'est chiant. C'est lui qui les avait, quoi. Alors, ah, on est bon. Waouh, ça fonctionne vraiment. Tu peux grimper ou pas? Ah ouais. Ouah, c'est stylé. Ouah, c'est trop bien. Ouais, ouais. Bon, forcément, on a... avec les véhicules qu'on a... on a le véhicule mode, hein, donc en vrai... En vrai, c'est moins bien que... Ouah, c'est trop lent. Comparé à ce qu'on a avec les cartes et les voitures. Bonjour, un Space Burger, s'il vous plaît. Merci. À côté de ces véhicules-là, en vrai, ces véhicules-là sont 10 000 fois mieux, quoi. Faire une fusée, faire un buggy, aller sur Mars. Tous nos objectifs ont été accomplis en 2h30. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Il nous reste notre dernière chose, aller sur Mars. Bon, si Tommy est pas là... Je vais essayer de construire une fusée le temps qu'il arrive, une deuxième fusée. J'ai le temps de faire ça. Donc, en attendant que Tommy arrive, si jamais. S'il est pas là, sinon je pars sur Mars, mais je vais créer une deuxième fusée tiers 2. Et le voilà. Là, voilà. Mais oui, regardez, je n'ai pas du tout crash. Écoute, je suis en train de préparer ta fusée, on a testé le buggy, tu arrives pile poil, tu vois, c'est pile poil. Alors, il y a zéro perte de temps, tu vois. On a tout prévu.
C'est fou comment tout se passe bien dans ce live. Incroyable. Alors, il faut qu'on prenne de quoi revenir. On n'a pas de portail. Ah oui, on n'a pas de portail si on va sur Mars, putain. Ah bah, il faut un portail. Ouais, ça veut dire qu'il faut un quantum, faut préparer tout, quoi. Ok, on a du steel casing pour le téléporteur, voilà. Et là, normalement, bah ouais, voilà. On a un téléporteur. Ensuite, il nous faut des téléporteurs frame qui demandent du truc obsidienne et ça. Bon, ok, ça, c'est ok. Pas de problème. Donc là, on a ce qu'il faut pour faire un... lui, il en a utilisé combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, parfait. Donc là, on a de quoi faire totalement un truc. Ah, d'accord, ok. Merci pour toutes vos informations, c'est très utile. Je suis très content parce que on s'améliore très vite et on apprend avec vous. C'est un vrai plaisir. Ok, ça m'évite de te chercher pendant 15 ans. Ok, donc il me faut deux téléporteurs. Donc on va les faire tout de suite. Et du coup, je vais en faire un, on va le poser pour la base. D'accord. Ah bah oui, forcément, je suis con. Bah oui. Là, c'est exactement ce qu'il a fait en fait. Bah oui. C'est pour ça que je me disais, mais comment il a-t-il fait? Mais non, mais voilà, c'est. La réponse est ça. Par contre, les fours. C'est quoi, j'ai jarté les fours. On va les déplacer sur le côté. Oula, ou putain, le bug quand j'ai pété. Oh la vache. Ouais, t'as vu ce qui s'est passé? Ok. J'ai eu une interaction avec un bloc vanilla, il a dit, ah, c'est vanilla. Il a pas aimé. Du coup, on va mettre un téléporteur juste ici. Effectivement. On va les décaler de deux blocs, voilà, pour faire les portails. Hop. Apprenons à faire des téléporteurs mécanisés. Hop. C'est vrai que je laissais pas mal Clem s'occuper de cette partie-là, donc j'en ai pas fait beaucoup. Hop. Voilà. Bon, déjà, on peut faire un portail comme ceci. Voilà. Ça donc, sera bien où celui-là? Donc lui, on va le set et on va l'appeler. Mars, non? Mars. Public, private, private, public, private, hein. Pourquoi je peux pas le... Mars. No link, voilà. Il est pas relié, c'est Mars. Par Dark Ivan. Très bien. On a fait Mars. Le portail, tu l'appelles Mars et ça repart. Mais ça repart. T'étais déjà parti pour... Non, moi c'était autre chose. C'était un peu plus... dans les films. Mars attaque. On va les coller. Alors, par la suite, peut-être on fera une salle de téléportation, effectivement. Donc on a nos fusées de tier 2 et on est prêt. Alors, inventory. Ah, t'avais mis un peu de dirt? Ouais, bah c'est cool. Ouais. Ok. Bon. Alors comment on démarre déjà? C'est espace. Espace. 3, okay. 2, 1, go. Tu restes appuyé ou un coup? Espace, tu gardes enfoncé. Ok. Je vois pas de fumée. Non. Moi non plus. Mais bon, j'ai le compte à rebours, donc c'est bon. Une fois que t'as appuyé sur espace, normalement t'as le compte à rebours et c'est bon. Ouais. 8, 7, 6. Bon, prix pour que ça marche bien. Hein. Ouais. Salut Caillou. Au revoir. Oh la vitesse. Il y en a un qui va moins vite. Il y en a toujours un qui va moins vite. Oh putain, fais gaffe aux éoliennes. Hein. Ouais. J'oublie toujours qu'on a le champ d'éoliennes à côté. Au revoir Tommy. Au revoir Caillou. Bon alors c'est facile. Hein, quand on arrive, en fait, tu choisis Mars sur le. Ouais. Sur le truc. C'est beau. Ah, pour une fois que c'est moi qui décolle vite, parce que l'autre fois vous m'aviez laissé en plan, bande de bâtards. Oui, j'avoue. Ok. Mars. Mars. Bon, il y a plusieurs petits satellites à côté, mais nous on va sur Mars. Hein. Attends, elle est où Mars? Ah oui, là. Mars, voilà. Parce que t'as Phobos, Deimos, pour l'instant on va à Mars. Hein. Alors il y a une Space Station. Ah, la Space Station c'est 32 tin, un Advanced Wafer, un Iron Ingot. Attends, je note. 32 tin, 24 quoi? 24 de fer et un Advanced Wafer. Ce sera ça la prochaine fois qu'on ira, on créera une station spatiale là-bas. Si on veut. Ok. Et donc là, je fais après launch, ça. En serveur, les éoliennes, ça peut faire laguer. Vous avez un bon serveur, visiblement. Ouais. Bah écoute, je savais pas que les éoliennes faisaient bugger, par contre. C'est intéressant de savoir. Parce que j'étais en mode, bon, on a atteint un certain niveau où ça commence à friser un peu, mais on a un très bon serveur, ouais. Ouais, on y go, du coup. Launch. Bah j'ai ouais. Fait launch. Launch. T'as cliqué launch? Je critiquais launch. Il est parti pour le launch. La musique était très sympa. Let's go. Ok. Oh. Courage. Je suis une... What? Une balle rebondissante. Ouais, moi aussi. Ah. Oh putain. On allait super vite. Ah d'accord, mais c'est fait exprès. What the fuck? Oh. C'est quoi ça? On dirait un popcorn géant. C'est quoi ça? Ok. Bon bah... Ah, j'imagine que c'est bon. Comment je sors de mon cocon? Mais what? Ah ouais, c'est comme ça que tu... D'accord. Ok, très bien. On est sur Mars.
Ah ouais, on est sur Mars, mec. C'est trop bien. Est-ce qu'il y a des ovnis là aussi? Ah, tu y arrives comme ça sur Mars, what the fuck? Comment vrai? Ah bon? Ouais, ouais, ils font pareil, ouais. Ouais, d'accord. C'est comme ça le projet SpaceX? Ouais, on vous catapulte ouais, voilà. À 1000 km seconde. C'est comme ça qu'il a fait. Putain, comment il s'appelle déjà? C'est une balle anti-stress. Bon, je fais un portail ici, hein. Bone. Attends, je marquais base. Ah, c'est génial. Marque. Alors. Wow. Alors, energy. Attends, je récupère mes batteries. Alors, attends, je vais creuser un poil plus bas. Voilà. C'est très désertique. Ouais, attends, on va explorer après. Il me semble qu'il y a un donjon aussi. Ici. Hop. On installe le téléporteur. Paf. Et voilà. Alors, ouais. Énergie. Énergie, oui, c'est bon, il est sur cette fréquence. Pas d'atmosphère sur Mars, donc pas de parachute avec donc bouboule. Oui, j'avoue. Ça paraît très logique. Output, auto-eject, on. Ok, on a l'énergie et on va la connecter donc à Mars. 7. Yes. Tommy. Yes, bien joué. Peux-tu passer dans le portail? Je peux. Ah, merci à la vie des viewers. Hein. Si tout se passe bien, on a des très bons conseils sur ce live. Et ça aide beaucoup. C'est parfait. Ouais, je suis à la base. Parfait. Bon, je ramène la fusée. Vas-y. Les mecs, tu sais, ils arrivent ici, ils font... Bon, bah, c'était fun, hein. Allez, je ramène la fusée. Mais par la porte d'entrée, hein. Pas besoin de l'espace, hein. C'est surcoté, l'espace. Non, parce que ça va, quoi. En aller, pas de retour, quoi. Grave. Eh bien, chers amis, c'est formidable. Nous avons validé tous nos objectifs d'aujourd'hui. Très bien. Très très bien, ça avance bien. Nickel. Bon, je suis un peu curieux, alors on va peut-être faire un peu d'exploration. On peut pas rester genre comme ça et dire... Ah ouais, non, non. On est d'accord. Faut un choc loader. Mais vous êtes sur Mars, vous? Non, 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 je suis... Non, non, rentré. Je suis en France. Enfin, je suis sur Terre. Ah oui, putain, mais oui, il me faut un choc loader. Mais quel con. Bah oui. J'ai pas pris de choc loader. Je me disais bien qu'il manquait un truc. Bon, bah, heureusement, on a ramené les fusées. Hey. Mais oui! Du coup, on s'est tous barrés. En fait, je pensais qu'un de vous était resté sur Mars. Ah non! Mais non! Nyeh. Formidable. C'est pas grave, on va refaire un décollage. Direction Mars. Launch. Ah, j'aime parce qu'il y a quand même un parachute de. Ouais, d'accord. Et après, il te lâche. Ouais, d'accord. Voilà, et là, je réactive le portail forcément puisque je suis de nouveau là. Ping, 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 ping. Ah, poussez-vous. Attends, j'ai mon arc sur moi? Oui. Voilà. J'adore cet arc parce qu'il tue absolument tout le monde. Ah. Oui, absolument tout le monde, c'est vraiment le cas de le dire. Merde. Hop. On remarque que je vais le mettre sur un petit radius parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre autant dans cette okay. zone. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, si tu passes... Attends, il n'y a plus de problème. Il me fait un buggy. Attends, Tommy. Je vais me créer. On va faire des courses. Circuit de course et on rigole très très et bien. C'était stylé hein, quand même, franchement. Ah, bon, ouais, hein, c'est vraiment. C'était un bon truc. Hein. Ouais, non, franchement, j'ai fini premier. Tu finissais tout le temps, mais parce que tu trichais, tu regardais tous les circuits. Ah, écoutez, c'est juste que je suis très bon. Ouais, c'est ça, ouais. On peut freiner là-dessus? Bon, freiner. Un détail là. Attends, j'arrive, Tommy. Ouais, 5. T'es prêt? Oui. Moi pas. Je viens de me rendre compte que... Attends, F5, ouais, t'as raison, t'es mieux. Non mais un waypoint surtout. Ah moi je l'ai mis moi. Bah, oui, attends moi, tu le... Moi, je l'ai pas mis. Non c'est bon, t'inquiète. En fait la plupart du temps les séries se sont terminées parce que j'ai niqué le serveur.
Par exemple, avec Guinette et Pazzo, le problème c'était les Pandora Box. Qui était génial! Putain, c'était mieux que le Lucky Block, mais ça faisait tout planter quoi. Bon, allez, go! Je sais pas où on va, mais on y va. On va là-bas. Ok, en avant. Génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a trouvé? Bon, j'imagine des petits donjons encore, pareil. Alors, il y a des trucs au sol là, parce que tu sais, il faut qu'on trouve du dèche là. Le dèche, c'est nouveau matériau. Alors, j'imagine que ici on va trouver du dèche. Alors, comment je sais pas, il y a du dèche. Est-ce que les digital miners marchent? Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est... Oh, là, il y a quoi, là? Un truc en dessous. Ouais, bah faudra peut-être qu'on creuse un peu, hein. Ah, aux grenades. Ouais, il y a un truc bleu. Ah, il y a de la glace, on va trouver de l'eau sur Mars. Wouah! Est... Caillou, on a vraiment de l'eau. Attends, il y a des trucs là-bas. Il y a un truc là, c'est quoi? C'est quoi? C'est ça. C'est de toute beauté. Blue Slime Ring Eggs. Attends, j'arrive. Faut que ça fasse tout péter, ça. Oh, oh. Qu'est-ce? What the fuck? C'est un flubber. Sur Mars, il y a des donjons et des œufs de petits vers de couleur. What? C'est quoi? Il est tout mignon. Ah, oh, oh, je peux l'appeler. On peut l'appeler. Attends, je l'appelle. Flubber. Non. Dark Hiver. Ah, il mange des briquets, putain de faute. Des briquets, mais ouais. Il bouffe des briquets. Là-bas. Ok, mais alors, qu'est-ce? Ah, il me suit. Ah oui, c'est ton pote maintenant. On pète. Ah, il me suit. C'est fou. Attends, ah, c'est Dark Hiver. Attends, on va trouver un verre. Incroyable. Des trucs là-bas, non? Hein? J'ai cru qu'il y avait des trucs là-bas. Bah. Là, je suis suivi par un verre. C'est génial. Est-ce qu'on a des plus gros? Je sais pas. On va voir. On m'a dit qu'il y a des verres de couleur. Donc déjà, il n'y a pas qu'une seule couleur. Oh, regarde là. Qu'est-ce que c'est? Là! Tu peux en avoir un verre. Ah bah oui. Ah bah lui, parfait. Comme ça, c'est Flubber. Ah bah voilà. C'est Flubber. Lui, il voulait absolument la plus Flubber. C'est lui, là? Il grossit en mangeant. Ok, c'est quoi sa nourriture à toi? Attends, je vais regarder quand même parce que je suis... Yellow slime, eggs. Quoi? Vas-y, faut le frapper, voilà. Oh! Voilà. Ah, c'est trop... Attends, bien! Vas-y, je te laisse le renommer. Je regarde comment s'écrit Flubber. Oh là là, t'as failli enlever ton armure. des radeaux. Il mange des bateaux? Oui. Mais putain, mais c'est quoi ces trucs? On est avec notre armée de verre. J'avoue. Bon. Oh, regarde là-bas, il y en a plusieurs. Là-bas, il y en a. Ah, tu prends le premier, je prends le deuxième. Il me faut un Jean Eudes, moi, sinon je me sens pas bien. Il aime manger des pommes de terre. Ah, il mange des émeraudes. Ça va, oh, il a des bouts de luxe. Des émeraudes, c'est pour moi. C'est juste. Oh, il est minerai. Où ça? Là où je suis. Alors, est-ce que c'est ce qu'on cherche? De l'iron ore. Ah oui, d'accord. Du copper, d'accord. Donc, il y a de quoi... Oh! Du dèche. Ah, oh. Le dèche. Voilà. Ok, bah, tu sais quoi, la prochaine fois, on va ramener du digital miner. Et on va miner ça. Parce que ça, c'est ce qui va nous permettre de faire la suite. Depuis le temps, le dèche, ça permet de faire quand même les lampes d'arc, le launch controller, le terraformer. Parce que c'est à quoi ça sert le terraformer d'ailleurs, mais on verra. L'épée en dèche, d'accord. Super lente. Ouais, bon, on va poser un... On va prendre le Digital Miner qu'il y a sur... ouais, sur la lune. Très mieux. Vas-y, on va vers ça. Bah, ils nous suivent pas, les Flubbers. Ah bah, ils peuvent pas se TP. Ah, il faut des Golden Lasso. Ah bah, attends. Oui, ils sont là, ils sont à l'entrée, ils sont très sages. Ils sont très sages. Parce que les briquets, c'est chiant, mais les émeraudes... Grow. Ah, tu peux le... Oh. Ah, mais... Yes. Ah, mais ils mais changent quoi, Ah, d'accord, ils ont besoin d'éléments différents à chaque fois. À chaque fois que tu les nourris, ils ont besoin de plus ou de moins. Ah, c'est bon, j'irai aller pour rien. C'est bon, je suis là. Hein, la taille, c'est 31%. Donc, il peut encore multiplier 3 fois sa taille. Alors, attends, le mien, il va bientôt pouvoir... Vas-y, on les fait. Ah, mais c'est pour ça qu'il a une couleur. En fait, ils ont une variation de couleur. Je comprenais pas pourquoi il était 100% rouge. Et c'est sa couleur. Vas-y, donc toi, on fait rouge, toi, tu lui mets un jaune, comme ça, on fait un orange. Parce que deux rouges, c'est nul. Putain, merde, il veut quoi? Oh, c'est chiant, ça. Il veut une redstone répéteur.
Ah, le pire truc. T'as, il te demande de ces trucs. Ah merde, par contre, celui-là, j'y ai pas accès. Il va falloir que je crée le mien. Ah si, c'est bon. Et quand tu le pètes, tu récupères l'accès, donc c'est bon. Ah, reviens, hop. Pourquoi il est relié de partout, lui? Il me faut de la potato. Il y a tellement pas besoin de ça, je comprends pas pourquoi. On a pas de patate, what the fuck. Si tu veux, il y en a dans le village sur la lune. Alors. Ah voilà. Ouais, bon voilà, il filtre tout, parfait. Ok. Ah, c'est du output normalement. Ah oui, c'est, j'avais pas mis auto eject, ouais. Ok, ah oui. Oui, ça se passe mieux, oui, effectivement. Je peux poser la question. Bon, je vais pas prendre de quantum du coup, pour se stocker facilement ici. Fait tous les objectifs. On a trouvé le donjon, on a fait le truc, on a fait le buggy, on a fait la tier sup, etc. Donc on va faire les objectifs pour... Eh ben écoutez, je vais l'écrire, je pense qu'on arrive à la fin. Voilà. Ok. Eh ben, nos objectifs de modduction pour la prochaine fois sont faits. Ce sera encore de la conquête de l'espace. Merci à tous d'avoir regardé, en tout cas, pour YouTube. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez, bien entendu, nous suivre sur les réseaux sociaux, bien, comme d'habitude, pour être informé des lives sur Discord, sur Twitter, comme toujours. Les Twitch, c'est le tous les soirs à 21h, 22h. Publicité YouTube pour soutenir, vous pouvez y aller aussi également. Merci encore pour votre soutien. Merci, le live, c'était très très cool. C'était un très bon live. Et, eh bien, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures d'action, de fun, de fail et de folie. Ciao à tous, salut Tommy, salut Caillou, salut et à bientôt. Salut.